Bon réveil à tous et merci de nous recevoir chez vous pour ce matin à TU, au sommaire de ce journal. La garantie locative pour une maison d'habitation de 3 mois selon la loi en RDC. Ceux qui ne vont pas se conformer à UA s'exposent à une prison ferme et des amendes. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilumbayou, l'a rappelé au cours de la campagne lancée ces jours sur le respect de contrats de bail. Et le chef coutumier autochtone Umbu de Kinshasa se disent prêts à soutenir la vision du chef de l'État et réfléchissent sur l'applicabilité de ces soutiens. Ils étaient en concertation à Kimwenza Gare. En sécurité, c'est le mouvement insurrectionnel M23 qui a attaqué le phare DC à Tchanzu, dans la cité du territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC, la nuit du 2 au 3 novembre. C'est une révélation faite par le chef d'État major général, le général Célestin Mbala Moussensé, et il rassure la population quant à leur sécurisation. C'est à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue au CTR. Hier était la rentrée judiciaire au Conseil d'État, juridiction qui s'occupe de la matière administrative. Le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de la police judiciaire du parquet près la juridiction de l'ordre administratif pour l'accompagner de veiller sur les décisions de la justice. Une cérémonie qu'a assisté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de visiter le centre culturel et artistique en construction. Sur place, le président de la République a instruit de pallier aux difficultés exposées par la main-d'œuvre congolaise qui y travaille. En récit de Patrick Michel Mukui. Pour constitutionner la Cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du Conseil d'État de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le Conseil d'État et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours axé sur le thème « Le référé en contentieux administratif congolais », le premier président du Conseil d'État fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables, difficilement réparables à la longue, des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vondoa au TP Makou. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart de non-juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'État, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziela, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. Et d'une part, un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État, et le parquet général y rattaché. Et d'autre part, un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'état de droit que vous ne cessez de prôner depuis votre avènement à la magistrature suprême. Avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle Cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie
terminée, le chef de l'État quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du palais du peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de voir de visu l'évolution de travaux qu'il a personnellement lancés il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier, exécuté à 50%. Les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023, a laissé entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site, sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut national des arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. Parlons de la sécurité dans l'est du pays. C'est finalement connu, les mouvements insurrectionnels qui attaquaient l'armée régulière à Tchanzu dans le territoire de Rutshuru dernièrement étaient le M23. Le chef d'état-major, le général Célestin Mbalamoussincé, qui a révélé l'identité de ces assaillants, assure les avoir maîtrisés et appelle la population au calme et surtout de faire confiance à l'armée congolaise. Possible. Le mouvement insurrectionnel qui a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo est le M23. À Tchanzu et à Runyonyi, dans le territoire de Rutshuru, ce mouvement subversif a une triste histoire. En janvier 2017, ces velléités insurrectionnelles ont été maîtrisées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur les monts Sabinyo, Vichoke et Karisimbi. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbalamoussincé, qui a révélé l'identité de ses assaillants, a aussi rappelé les tentatives de la nuit du 2 au 3 novembre dans la ville de Bukavu par les forces dénommées « Action pour un Congo nouveau ». Du communiqué rendu public par les forces armées de la RDC, on retient que ces forces du mal ont été défaites. Les FARDC vont poursuivre la traque de ces nostalgiques ennemis de la paix. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les sols congolais. Toutefois, il est demandé à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul centimètre de notre territoire national. La RDC enregistre des avancées très significatives dans la lutte contre les violences faites à la femme. Elle a également réussi à sortir les enfants dans l'armée, un succès salué par le Comité des sanctions des Nations Unies. Les membres de cette structure ont eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Patti Tondwangu Kizunda, bienvenue Lusala pour le reportage. C'est sur une note de satisfaction qu'Abdou Abari, président du comité des sanctions sur la République démocratique du Congo, est sorti de la réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce lundi 8 novembre 2021 à l'immeuble du gouvernement. Le président de cet organe subsidiaire des Nations Unies en charge, entre autres, de l'embargo contre les armes, des sanctions individuelles telles que les gels des avoirs, s'est dit satisfait de la maîtrise de ces dossiers par les chefs du gouvernement, ainsi que de progrès notables réalisés par la République démocratique du Congo. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences
qui sont faites aux femmes. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région. Et donc avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Depuis l'imposition de ces régimes de sanctions sur la République démocratique du Congo, c'est pour la cinquième fois qu'Abdou Habari a foulé le sol congolais. Quel est l'état de la diplomatie congolaise? Quel est l'apport également du ministère des Affaires étrangères à la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine? Des interrogations auxquelles le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a répondu à la commission de relations extérieures du Sénat. Nous le saurons plus dans ce reportage de Doris Mozo. Devant une commission relations extérieures du Sénat avide des informations sur l'état actuel du ministère des Affaires étrangères et sur l'accompagnement du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine, 2 heures ont suffi à Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour étancher la soif des sénateurs conduits par la sénatrice Francine Muyumba, présidente de la commission relations extérieures. Toujours méthodique, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a brossé la situation financière avec les contentieux de nos ambassades, arriérés des salaires des diplomates d'une part et arriérés de loyers d'autre part. À ceci s'ajoutent les organisations internationales avec lesquelles nous ne sommes pas en règle de cotisation. Une commission mixte budget, finances et affaires étrangères pour évaluer et régler cette question qui ternit l'image du pays. La conférence diplomatique prévue sous peu s'épanchera sur les questions aux fins des solutions durables. Christophe Lutundula s'est montré à la hauteur de la tâche lui confiée par la République, en rassurant les sénateurs des efforts qui sont consentis non seulement par lui, mais par tous les gouvernements pour la réussite du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Il a plu à mesdames et messieurs les sénateurs de prendre l'engagement d'accompagner des bonnes choses qui sont faites au niveau du gouvernement de la République sous le leadership du président Tshisekedi. Et cela, conformément au mandat parlementaire dont ils sont investis, parce qu'ils ont insisté, ils ont souligné, j'ai bien retenu, sur le fait que ça nous concerne tous, ça concerne notre pays, ça concerne notre peuple. Comme autorité budgétaire, le Sénat a un rôle important à jouer. Consciente, la présidente de la commission relations extérieures du Sénat, Francine Muyumba, a promis un soutien conséquent au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, dans l'attente de ses objectifs qui sont nobles pour la République. Toujours à la Chambre haute du Parlement, des crises à répétition dans des assemblées provinciales secouées par des motions de défiance. Une nouvelle proposition de loi sur la libre administration de province est proposée par les sénateurs Ogui Ilunga. Le projet de loi a été déposé hier sur l'accompagnement de Rodépanda. Les provinces en République démocratique du Congo rencontrent beaucoup de difficultés, sinon d'obstacles, à cause de plusieurs implications légitimes ou illégitimes des différentes institutions du pays. Cela provoque non seulement un malaise, mais une cacophonie qui s'installe. Surtout, le poids du gouvernement central dans la prise des décisions. Ajoutez à cela trop d'émotions de censure et de déchéance provoquées par les assemblées provinciales. Pour résoudre ces problèmes de bon fonctionnement des entités provinciales et leur donner une véritable autonomie sociopolitique et financière, le sénateur Ogui Ilunga Chivuila a initié une loi sur cette question afin de stabiliser les provinces. C'est ce lundi 8 novembre 2021 que cette proposition de loi contenant des innovations a été déposée au bureau du Sénat.
pour stabiliser nos gouvernements provinciaux et même la République démocratique du Congo que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a beaucoup d'articles qui sont restés muets. J'ai apporté des innovations. C'est ça le but même de ma proposition. Parmi mes innovations, vous allez trouver qu'il y a interdiction formelle aux membres du gouvernement de s'ingérer dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Nos provinces jouissent de leur autonomie. Alors, on doit leur laisser travailler seuls. Selon le sénateur Ogui Ilunga, le passage de cette loi est très bénéfique pour l'efficacité dans la gestion des provinces. Autre chose à présent, le directeur national pour le 9e jeu de la francophonie, Isidore Ngwanza, et son adjoint ont pris officiellement leurs fonctions au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le haut représentant du chef de l'État à ce 9e jeu de la francophonie. Témoin de la cérémonie, Serge Merlamata. Nommé comme directeur national du 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa en août 2022, Isidore Kouandjangembo a officiellement pris ses fonctions ce lundi 8 novembre 2021 à la salle des réunions du comité national des jeux de la francophonie où l'équipe sortante et celle entrante ont effectué la remise et reprise. Cela après la signature des procès verbaux. Présent, le haut représentant du chef de l'État au comité national du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, Didier Tshiyoyombouyi, a tenu à remercier vivement le président de la République pour la marque de confiance qu'avait inspiré sa désignation. Il a en outre fait le bilan des préparatifs des Jeux de la francophonie et souhaité un franc succès au nouveau directeur national des 9e Jeux de la francophonie, à qui il a garanti de sa disponibilité et de son accompagnement tout au long de son mandat. Isidore Kouandjangembo a lui aussi présenté ses remerciements au chef de l'État pour les choix portés sur sa personne. Conscient de sa lourde responsabilité et des défis qui se doivent de relever, le nouveau directeur national des 9e Jeux de la francophonie a promis de travailler avec tout le monde pour la réussite de cet événement international qui est une fierté pour la République démocratique du Congo, déterminée à offrir au monde francophone les meilleurs jeux après la pandémie de la COVID-19. C'est par la visite des différents locaux du Comité national des jeux de la francophonie que la cérémonie a pris fin. Des investisseurs turcs veulent créer une usine pour raffiner de l'or sur place en République démocratique du Congo. Ils ont fait même le déplacement jusqu'à Kinshasa pour discuter de faisabilité avec le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Lopez Kakouba, nous donne la suite de leurs entretiens. Ils sont venus répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lancé au gouvernement turc dans les joint ventures gagnant-gagnant. Les hommes d'affaires et opérateurs économiques turcs sont à Kinshasa, la capitale, pour investir en République démocratique du Congo. Au cours d'une séance de travail, ce 8 novembre 2021, avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, le président directeur général de l'entreprise ZNP Gold, Mourad Nizipliyoglu, a répondu à l'invitation du ministre du Commerce extérieur qui a représenté la RDC à la troisième conférence qui s'est tenue à Istanbul du 8 au 9 octobre 2021. ZNP Gold est une entreprise minière spécialisée dans la raffinerie de l'or et ne va pas exploiter des matières congolaises à l'état brut, mais plutôt elle va installer ses usines de transformation sur place en RDC afin de créer de l'emploi aux Congolais. Une politique qui rencontre la vision du chef de l'État. Après la rencontre avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, la délégation est allée rencontrer le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Disons également que le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Lobo Ntekeshawa Chibwabwa, et le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX, Mike Tambwe, étaient présents. La RDC aura en janvier 2022 une nouvelle validation du processus ITIE. En prévision de cela, les experts sont en atelier préparatoire du nouveau modèle de validation. Deux explications sont de Peggy Mukunda. Les préparatifs pour la deuxième validation des normes ITIE prévues au 1er janvier 2022 vont bon train. Pour bien assurer la réussite de cette deuxième validation de la RDC, les parties prenantes de l'ITIE RDC viennent d'être sensibilisées sur le nouveau modèle de validation et sur les enjeux de la deuxième validation pour la RDC au regard des exigences de la norme, à savoir l'engagement des parties prenantes, la transparence, les résultats et l'impact.
Rappelons que la RDC était bien cotée et validée avec des progrès significatifs en 2016 et 2018 et le conseil d'administration lui avait accordé un délai de 18 mois pour mettre en œuvre de mesures correctives et poursuivre sa trajectoire vers la transparence et la bonne gouvernance. À l'issue de cette formation sur l'auto-évaluation de la mise en œuvre du processus ITIE, plusieurs recommandations à formuler et à adresser au comité exécutif en vue d'améliorer la mise en œuvre de la transparence dans le secteur minier. La campagne de sensibilisation à la paix, l'unité et la cohésion nationale a atteint l'étape de Kwilu après le Sankoro. La ministre près, le président de la République, Nana Manuanina, qui en est l'initiatrice, a parlé de l'amour de la patrie et les valeurs sociales à la population de Kikwit. Des explications sont de Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que la ministre Kepré, le président de la République, ayant mission d'assister les chefs de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a effectué dernièrement les déplacements des Kikwit dans la province de Kwilu. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Kikwit Mayumbu, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Kondé. La population Kikwit qui a bien accueilli cette visite de travail a remercié aussi le chef de l'État pour les choix portés sur une de ses filles, Nana Manonina Kiumba, ayant des qualités requises, intelligentes et pleines d'initiatives. Dans une communication pleine d'essence et d'émotion faite en Kikongo, cet enfant du terroir, la ministre après le chef de l'État, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et sœurs de Kikwit sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. Tout Kikwit a apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. La rareté de pluie a failli compromettre la production ou la culture des riz en Koundi. Nous sommes au Congo central. La solution vient d'être trouvée avec de nouveaux équipements acheminés sur place, constate de techniciens du ministère de l'Agriculture. Un reportage de Martin Ngazakalala. Sur le principal pilier de l'économie nationale afin de vaincre l'insécurité alimentaire, ce mot d'ordre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo constitue le cheval de bataille du ministre sectoriel Désiré Nzinga Birianze qui multiplie les stratégies pour engager la revanche du sol sur le sous-sol. Conduite par l'ingénieur Moïse Babo Kassiro, en étroite collaboration avec l'inspecteur national Kaboulou Mukanda, cette équipe a reçu du ministre la mission d'inspecter et d'évaluer la riziculture pluviale ainsi que le matériel d'exploitation et de production y afférent. Il y a toute une flotte de matériel en Koundi, des tracteurs qui aident pour les labours, pour les semis, pour la pulvérisation des produits phytosanitaires. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour sa vision, afin que le peuple congolais puisse se nourrir à sa faim. La riziculture fluviale occupe 98% de la production de riz au pays. Pourtant, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par les conséquences du changement climatique. Une rareté de pluie a du reste failli remettre en cause la saison dernière la production à la riziculture d'Nkundi. Ça vaut la peine d'installer le système d'évaluation au niveau de Nkundi pour leur permettre, même s'il y a un peu de pluie, qu'ils puissent s'en sortir par rapport à ça. Parce que nous savons tous, la rareté de pluie va causer la rareté de produits agricoles au niveau du marché. Avec une production d'environ 2400 tonnes de riz par an en Koundi, et presque autant ou plus dans six provinces où BAB exploite la terre, le pari du ministre Désiré Nzinga Birianze présente les meilleures opportunités d'être gagné.
3 mois de garantie locative, c'est ce qui est prévu dans la loi congolaise sur la location de maisons, d'habitation. Les propriétaires qui continuent à percevoir de nombre de mois plus que ce qui est prévu s'exposent à des sanctions telles que 3 mois de prison ferme et des amendes. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilumbayo, a donné cette précision au cours d'une campagne de sensibilisation qu'il a lancée hier. D'autres explications avec Eric Kabamba Kumbolo. Ce message clair affiché en grand dans cette salle pour lancer un ultimatum aux bailleurs congolais sur le respect de la nouvelle loi des baux à loyer sera très bientôt visible sur toutes les artères du pays. 6 ans après la promulgation de cette nouvelle loi qui souffrait d'inapplication, Pius Mwabilu, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, est déterminé cette fois-ci à la faire respecter. Directeur, chef des services et des divisions de l'urbanisme et habitat sont le premier à être sensibilisés sur ces nouveaux dispositifs en matière d'immobilier. Les points forts de cette nouvelle loi, c'est la garantie locative pour le bail à caractère résidentiel fixé à 3 mois et pas plus. Les patrons de l'urbanisme et habitat a appelé tout son personnel à faire appliquer cette mesure des garanties locatives. 3 mois de prison ferme plus une amende, c'est la peine réservée à tout bailleur qui ira à l'encontre de cette mesure, a prévenu Pius Mwabilu. Je ne doute pas un seul instant que ce défi ne se fera pas sans difficulté, car il s'agit de lutter contre l'incivisme locatif. C'est pourquoi les membres congolais et congolais de s'approprier réellement cet instrument juridique en s'y conformant. Car l'état des droits, c'est d'abord respecter les lois de son pays. Pour mieux faire appliquer cette loi, Pius Mwabilu a remis symboliquement au secrétaire général de l'urbanisme tous les types de contrats de bail qui vont désormais lier les bailleurs aux locataires. Plus de 50 000 doublons ont été détectés dans le fichier de la paye de l'État. Ce chiffre crée un manque à gagner dans le trésor public équivalent à 4,7 milliards de francs et nécessite d'initier rapidement un audit à fond du système actuel de paye. Une chronique de Ricky Nzuzi. Un manque à gagner de 4,37 milliards de francs congolais au trésor public. La paye des fonctionnaires de l'État n'aura cessé de sitôt déposer des problèmes, non pas parce que l'État ne soit pas en mesure d'honorer chaque mois son engagement à l'endroit des agents et cadres qui travaillent dans les divers services administratifs de notre pays, mais ce qui cloche, des mafieux s'arrangent toujours pour gonfler des effectifs de manière à empocher les trop-pleins. Des non-fonctionnaires, des agents décédés, voire des membres des familles de certains hauts fonctionnaires y figurent. C'est pour cette raison que parmi les points traités au Conseil des ministres du vendredi 5 novembre 2021, la problématique du fichier de paye des fonctionnaires a figuré en bonne place. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a dénoncé ce scandale en expliquant que le contrôle initié par le service informatique du secrétariat général du budget sur un champ limité a relevé plusieurs cas de doublons répartis en 3 catégories, notamment 49 591 cas de doublons sur nom, poste et nom matricule d'un impact de 4,3 milliards de francs congolais, 357 cas de doublons parfaits d'un impact de 75,7 millions de francs congolais, 14 cas de doublons malicieux d'un impact de 4 millions de francs. Eu égard à l'énorme manque à gagner occasionné par ces désordres, soit 4 379 700 000 francs congolais, équivalent à 2 189 850 dollars. Le ministre d'État Bogie a recommandé d'urgence un audit du système actuel de prise en charge de la paye des agents en fonction de l'État. Comment alors mettre fin aux magouilles ? La procédure proposée par le ministre d'État en charge du budget, Boji Sangara, consiste à détecter les auteurs des magouilles entretenues depuis des lustres au sein de l'administration publique et que les différents ministres qui se sont succédés à la tête de la fonction publique n'ont jamais réussi à éradiquer. Très engagé, le warrior vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, entend relever ce défi.
Le chef coutumier Umbu, autochtone de la ville province Kinshasa, sont d'accord avec la vision du chef de l'État qui veut un Congo fort, debout et prospère. Alors, ils se sont réunis pour examiner le voisin moyen pour le soutenir. C'était à Kimwenzagar, dans la commune de Mongafula. Jacques Kaboba nous fait la restitution. Le peuple Umbu, une identité culturelle riche, un peuple authentique de par ses racines. Les chefs coutumiers Umbu, autochtones des 23 communes de la ville province Kinshasa, se sont retrouvés le samedi dernier à Kimwenzagar, dans la commune de Mongafula, où ils ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de soutenir la vision du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un Congo fort, debout et prospère. Les Baumbu et les Bateke, nous sommes derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans toutes les actions qu'il voudra faire dans notre espace ici. Parce que ceux qui peuvent parler au nom des autochtones, il n'y a que nous, il n'y a que nos chefs qui sont ici, et nos Mfumu qui sont ici. Et si les Mfumu parlent, je crois que les membres des ancêtres aussi nous écoutent, ils entendent, et quand les chefs jettent leur salive, ils parlent en bon ou en bien pour notre chef, je crois qu'à ce niveau-là, et même le pouvoir aussi du chef pourra aller de l'avant. Et nous demandons que nous soyons aussi pris en compte, parce que nous avons quand même des têtes, nous avons des personnes, les enfants de nos chefs coutumiers ici qui ont étudié, qui peuvent exercer aussi des grandes fonctions. L'héritage culturel des peuples Umbu doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractifs les terres des ancêtres Umbu. Voilà, c'est donc la fin de ce journal du matin réalisé par Papi Voulé et Patrick Bapuila. Barbosa Massiel a assuré la prise de vue sous la coordination de Marthe Mangaza Kalala. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima pour les 13h. Merci et bonne journée sur la RTNT.